Adjál már te büdös faszopó cheater geci. Yo les petits potes, c'est Rookie. Alors Fraud ou Meta, c'est Jack Wardens qui est donc le kit de conversion DU Lockwood MK2. Et ben je dirais un peu des deux, à la fois ni l'un ni l'autre. Je m'explique. Clairement, c'est une arme qui va pas convenir à la majorité des joueurs parce que c'est une arme qui est broken. On parle même plus là de courte portée, on parle carrément de corps à corps en fait, parce que quand on regarde les stats de l'arme, en fait, c'est effectif jusqu'à 4,6 mètres. Donc 4,6 mètres, vous pouvez renifler votre adversaire. Donc on n'est pas sur du 15 mètres, 10 mètres, où là c'est la courte distance, du 25 mètres moyenne portée, ou allez, plus de 35-40 mètres, où c'est de la longue distance. On est vraiment sur du corps à corps. Et oui, en effet, au corps à corps, c'est relativement broken, puisque il vous faut 2 à 4 balles pour tuer votre adversaire, sachant que du coup c'est un akimbo, hein, donc ça veut dire 1 à 2 coups. C'est en fonction de si vous touchez la tête, en fonction de si vous touchez le torse, etc. Clairement, ça c'est la classe que tout le monde utilise dans ceux qui jouent régulièrement le kit Jack Wardens, avec du coup le kit qui met du coup le Lockwood MK2 en akimbo, shotgun un peu, hein. Le laser tactique pour tout ce qui est tir au jugé. Pourquoi celui-là? Parce qu'en fait, quand on va dans le centre de tir, on peut voir que la mire est très sympathique et du coup on voit très bien ce qui se passe. Et globalement, quand on regarde, bah, c'est quand même assez groupé, hein, c'est pas trop mal. Après, on peut choisir aussi un mode de tir chacun son tour. C'est un peu plus dispersé pour le coup. Mais si on tire en même temps, c'est très groupé. Voilà. Ça sert à rien d'essayer sur les mannequins au centre de tir. Pourquoi? Parce que les mannequins sont à 10 mètres. Donc votre arme, elle est plus efficace. Donc voilà. Là, de toute façon, il n'y avait pas de plaque. Mais en plus de ça, pour certains snipers one-shot, ça joue one-shot pas les mannequins dans la tête. Donc c'est pas la référence absolue, le centre de tir. Mais de toute façon, le premier mannequin était 10 mètres. Donc c'est hors de portée. Et donc, dernière expert, c'est Chuck Bryson. Donc voilà, donc là où je veux en venir, c'est... oui, c'est broken, c'est méta, si votre adversaire est à moins de 4,6 mètres. Et si vous avez des mouvements, parce que si vous ne le tuez pas avec les deux premières balles, il va falloir quand même faire en sorte de bouger pour éviter que votre adversaire vous tue, et ce avec n'importe quel shotgun au final, hein. Parce que si vous vous retrouvez face à des SMG méta en face, il va falloir être quand même assez mobile. Donc méta, oui, mais à moins de 4,6 mètres et nécessite quand même un peu de mobilité. Et donc du coup, bah forcément, vous allez devoir avoir une arme secondaire qui va devoir tout remplir, c'est-à-dire grosso modo courte, moyenne et longue portée. Donc là, en l'occurrence, moi j'avais utilisé le DG58 LSW sans mire. Mais voilà, fraude, bah, tant que vous savez que c'est en dessous de 4,6 mètres, je pense que vous ne faites pas frauder. Si vous faites frauder par contre par ceux qui vous disent que c'est broken, en oubliant de vous préciser quand même que c'est à moins de 5 mètres. Mais donc voilà, donc ça, il faut juste le savoir, voilà, c'est broken en dessous de 5 mètres, au-delà de 5 mètres, c'est rinsax. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.